étions cachés donc dans deux pièces et depuis 42. Je vivais clandestinement, j'avais des faux papiers d'étudiant, des faux, une fausse carte d'identité, et j'étais très sportif, donc je voulais vivre. Le 6 juin 44, le débarquement. Nous, on se dit, on ne sera plus jamais déporté, on ne sera plus jamais... La Gestapo est venue la nuit. Nous avons été dénoncés, je ne sais pas par qui, bien sûr. On nous a amenés à la Gestapo, avenue Louise, on nous a mis dans les caves. Là, il y avait d'autres personnes qui étaient arrêtées. Et puis, le lendemain matin, ils nous ont amenés à Malines, à la caserne de Saint, donc qui était le lieu de rassemblement des personnes en voie de déportation. J'allais avoir 18 ans. Le 26 juin 44, mon père est appelé au bureau et puis il revient avec un petit colis de vivres. Et je regarde, c'était de mon ami. Et le plus formidable de tout, c'est que au fond de la boîte, il y avait une petite photo d'elle. Et c'est formidable parce que de savoir qu'à l'extérieur de cette prison, donc, quelqu'un pensait à moi. Malheureusement, le 31 juillet 44, rassemblement dans la cour, et puis il commence à appeler des noms et toute ma famille a été désignée pour le 26e et le dernier transport de Belgique. Nous avons été embarqués dans des wagons à bestiaux, hein, c'est à 45 ans, je me souviens plus, mais enfin, il y avait un seau pour les besoins, il y avait un seau d'eau pour la boisson, et puis voilà, on a pu prendre ce qu'on avait, notre petit bagage qu'on a pu constituer quand on a été arrêté. Et puis dans ces wagons, moi j'avais un crayon et un papier, j'ai écrit un mot à mon ami. Et cher Nelly, voilà, nous sommes déportés. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous sommes pleins de courage, nous reviendrons. Tu salues les copains, je t'embrasse. Et puis je mets son adresse. Et ce papier, je le laisse tomber par les fentes du plancher de ce wagon. Eh bien, un cheminot qui travaillait sur cette voie a trouvé ce papier, a vu qu'il y avait une adresse, l'a mis dans une enveloppe, a mis des timbres, et quand je suis rentré d'Allemagne, j'ai appris que Nelly avait reçu ce message. Et moi, j'avais gardé sa photo. Et sa petite photo, voyez-vous, je l'ai pliée en 8, et je l'ai gardée pendant tout mon séjour dans les camps. Bonjour et bienvenue à bord du train des 1000 à destination d'Auschwitz-Birkenau. Vous êtes 1000 à avoir embarqué à bord de ce train qui en a pour 28 heures de voyage en voie d'arriver à sa destination finale. Vous êtes venus des quatre coins d'Europe et nous vous souhaitons un excellent voyage. La symbolique est très forte, évidemment, c'est l'association du concept du train qui était le moyen de locomotion principal par lequel on déportait les prisonniers, et du chiffre 1000, qui est le nombre normal d'un convoi de déportés ratio. On va vers l'horreur. Hein. On parle beaucoup pour le moment de l'extrême droite, de tout ce qui est FN et tout ça. Je pense que voir ce que l'arrivée au pouvoir de ce genre de groupe a donné, c'est-à-dire des millions de morts, o povo português também foi ele próprio vítima de uma ditadura fascista, certamente diferente dos outros regimes. Vers la honte de l'humanité, si j'ose dire. Je ne sais pas à quoi m'attendre, donc j'ai vraiment peur.
On est arrivé de nuit, quelque part, on ne savait pas où. On a été débarqué sur un quai. Vous savez, on était 700, 800, je crois, je ne sais plus. Mais c'est comme un troupeau, hein, c'est hébété d'après trois jours, trois nuits de ce transport, quand même très peu confortable. La première vision d'Auschwitz, c'était l'enfer. C'était l'enfer parce que les portes des wagons ont été ouvertes au petit jour. Donc c'était au matin. Et il y avait du brouillard. Et il y avait tous ces fantômes qui couraient le long des wagons pour ouvrir les portes, avec leurs vêtements de bannière et leur teint grisonnant. Et c'était vraiment l'enfer. Et là, alors, directement, la première sélection, tout ça se faisait très, très, très vite, parce qu'il fallait aller très vite, parce que d'autres trains arrivaient. Donc, ils ont séparé les femmes des hommes, et puis alors, dans le groupe des hommes, ils ont encore fait des séparations, ils ont mis à gauche les malades, les vieux, les tout jeunes, mon jeune frère a été mis à gauche, etc. Moi, j'ai été mis à droite avec mon père, etc. Et pour moi, ça a été dramatique aussi, parce que pour quelle raison j'aurais dû embrasser ma maman et lui dire adieu, puisqu'on devait rester en famille. Mais brutalement, elle a été mise à gauche avec ma sœur, et moi j'ai été mis à droite avec mon père et mon jeune frère. On leur faisait croire naïvement qu'ils allaient devoir passer une douche et une désinfection avant de rentrer au camp, parce qu'il y avait le typhus, et que le typhus était dangereux, il fallait absolument qu'il soit désinfecté. Et alors on les faisait rentrer dans un grand local qui était le vestiaire, et il y avait des crochets au mur avec des numéros et des bancs, puis on dit voilà, vous allez prendre vos vêtements là, mais vous devez vous souvenir du numéro. Auschwitz s'étend sur 40 km carrés. Il y a d'abord la caserne, l'ancienne caserne polonaise, qui est le camp numéro 1. À 2-3 km de là, il y a Auschwitz numéro 2, Birkenau, qui est en fait le camp d'extermination, qui a été créé en 1942 suite à la conférence de Wannsee, donc les SS, où la solution finale a été décidée, l'extermination de tous les juifs d'Europe, de tous les tziganes, de tous les homosexuels, de tous les témoins de Jéhovah, enfin de tous ceux que les SS estimaient ne plus devoir vivre. Et puis c'est à Auschwitz que les prisonniers de guerre soviétiques ont construit Auschwitz. C'était des marécages. D'ailleurs, Birkenau veut dire bouleau. Donc il y avait des forêts de bouleau, mais des marécages, et il y a 20 000 soldats soviétiques qui ont construit ce camp et qui sont morts là. Donc, et c'est là que le train entier rentre dans le camp, donc pour vous donner l'étendue. Donc, si à Auschwitz numéro 1, la caserne, il y a entre 15 000 et 20 000 prisonniers, à Birkenau, il y a 100 000 prisonniers. Et le train entier rentre dans le camp, au milieu du camp, et s'arrête devant les deux plus importantes chambres à gaz et fours crématoires, parce qu'à Auschwitz-Birkenau, il y en avait quatre qui fonctionnaient nuit et jour. C'était comme une usine. Et il y en avait un qui était assis sur une table, il avait une tondeuse en main, il m'a pris par la nuque, sans rien, toujours sans explication. On ne comprenait pas ce qu'il faisait, mais il m'a tondu tous les cheveux de la tête, les poils en dessous des bras, les poils du pubis, enfin tous les poils du corps. Et puis, comme si je n'étais rien du tout, il m'a repassé comme ça un autre de ses bagnards qui avait un seau, il avait une brosse, il avait un détergent dans ce seau, et puis il m'a passé ça partout où on venait de me tondre. Le bagnard qui se trouve à côté de l'SS, il prend mon bras gauche, il avait une pointe dans ses mains, il trempe sa dent de l'encre, et très rapidement, il m'inscrit ce numéro qui correspond à mon nom dans ce registre, dans mon bras gauche. Donc il me marque là, B3635. Je ne comprends pas pourquoi on me marque là comme un animal, je ne comprends pas. Voilà, ça c'est le 151610, ça a été mon nom jusqu'au moment où j'ai réussi à m'enfuir alors qu'on massacrait tous les rescapés du camp. Alors on se regarde tous, on essaie de se reconnaître sans nos cheveux,
Et puis les matraques se lèvent de nouveau pour faire comprendre qu'on doit s'habiller très vite. Et je regarde les vêtements que j'ai reçus, alors je ne comprends plus rien. Ce sont des vêtements rayés, gris et bleus. Donc on m'a transformé en bagnard, on m'a tatoué un numéro dans mon bras gauche comme un animal, je ne comprends plus rien. C'est l'entrée de portail avec marqué en grand Arbeit McFrei. Moi, je comprends plus ou moins, parce que avec le flamand et l'allemand, Arbeit, je comprends que ça veut dire travail. Frei, ça veut dire libre, mais je ne comprends pas le rapport qui entre travail et libre. Les anciens détenus ont dit qu'il n'y avait pas d'oiseaux ici, ni d'animaux, puisque les animaux sentaient l'odeur de la mort. Seulement quelques années après la guerre, les oiseaux ont revenu ici. Le plus jeune avait 35 jours, le plus vieux 93 ans. Seuls 1200 sont revenus. Vous jeunes, je vous passe le relais pour que cela ne se reproduise plus jamais. C'est émotionnellement de trop. C'est trop dur pour le moment, pour certains. Moi, je leur demande de prendre un peu de recul, de respirer un bon coup, pas regretter de ne pas voir des choses. Ça a été une réalité. Et c'est émotionnellement, c'est trop dur, je pense. C'est très dur. Parce que des fois, il y a des chaussures des enfants de 2 ou 3 ans ou 1 an. Et rien qu'imaginer cet enfant innocent qui te sourit comme ça, et c'est vraiment dur. Pour le moment, je n'ai pas supporté le fait de voir les chaussures des enfants. Je sais pas. Ça valait la peine, mais à refaire, je sais pas si j'oserais le refaire. Je pense pas. Revenir ici à Auschwitz-Birkenau, c'est un pèlerinage pour moi et c'est toujours douloureux. А нас потом поэтапно с Витебской области угоняли сюда, в Польшу. Нас привезли туда 7 человек, родни, 5 сестер, брат и мама. До Феде Такиру, по Симонин и Шару Адаяма, по Мрови. Ехали отше, ало хатихат и паром, у катазы Пашемка, шало. Ryszka, Józef i Rybnik, ze Mizman. I mają kotwima krzaw, Ryszka ze SZ. SZ. Ze SCH. Längs der Rampe befindet sich ein Holzpodest und auf diesem Podest wurden die Transporte entladen. Когда нам выкалывали номера, вот он, номер был,
Когда нам их выкололи, нас отправили мыться. Мы очень боялись, что номер смоется водой. Мы закрывали его рукой, потому что если номер, ну мы дети были, если номер смоется, значит нас не будут ни кормить, ни поить. И, как говорится, мы будем... И вот мы, боясь того, что номер будет смыт, мы его закрывали. Я как никогда не понимала, как Duitsers, не только Duitsers, но и как эти люди могут делать в тюрьме. Для меня это difficile de venir ici et de venir en tant que touriste alors que des gens sont morts et on vient pour faire des photos alors qu'on marche sur peut-être des cendres d'une personne. L'intérêt majeur d'un déplacement dans un camp comme celui d'Auschwitz, surtout pour les jeunes, c'est qu'ils mesurent, ils sentent. On sent ici la mort, on sent la souffrance. Et ça, c'est une expérience pédagogique qu'aucun livre, qu'aucun film ne peut faire passer. Et j'espère que ce sera pour eux l'occasion véritablement d'un engagement contre toutes les formes de racisme, d'extrémisme, de fanatisme, pour une société qui sera meilleure. Donc ils ont bouclé les quartiers entiers à Bruxelles, à Anvers, à Liège, et ils ont pris des familles entières en leur disant « Mais vous savez, on vous avait envoyé des papiers pour vous présenter, pour aller travailler dans les pays de l'Est, mais vous restez en famille. » Et voyez-vous, là aussi, on ne voyait pas vraiment le danger. On comprend donc que vous avez pu profiter un minimum de la vie quand vous êtes... Non, j'ai pas profité un minimum, j'ai profité un maximum de la vie. Parce que je voulais vivre. J'avais 21 ans, mais qu'est-ce que j'avais eu comme jeunesse? Rien du tout. La guerre de... J'avais 14 ans quand la guerre a éclaté, et j'avais 19 ans quand elle s'est terminée. Et puis alors pendant un an ou deux ans, j'ai dû me refaire ma vie, essayer de me réinstaller. Donc je veux dire que qu'est-ce que j'avais? Donc moi je voulais vivre, mais j'avais appris dans les camps à survivre. Et c'est ça qui est important, j'ai survécu étant libre. Mais j'ai l'impression que c'est important dans la mesure où je l'ai vécu. Et je n'improvise pas, je ne raconte pas l'histoire des autres, je raconte la mienne. J'ai pas fait de tri dans ma mémoire. Vous savez, je fais des témoignages depuis 87. Avant ça, on ne parlait pas, mais je ne voulais pas parler. Parce qu'on me pose souvent la question, on dit, mais comment vous êtes rentré et vous n'avez rien raconté? Mais parce qu'on commençait à parler, mais les gens directement se disent, vous savez, la Belgique était libérée il y a presque un an. Alors ils disent, vous savez, nous, on a eu faim aussi. Hein. Leur expliquer ce que c'était la faim dans le camp. On a eu froid aussi, mais leur expliquer -25, -25, avec ce qu'on avait sur le corps. Comment est-ce qu'ils pouvaient... leur expliquer qu'on dormait avec des morts. Mais ils ont dit, mais on a eu des morts aussi, parce que les bombardements ont fait des morts. Donc il n'y avait pas d'écoute. Je crois que finalement, c'est une école de survie. C'est pas une école de vie, c'est une école de survie. Si vous arrivez à survivre au camp, en prenant dans votre trip ce que vous savez faire, parce que c'est ça, c'est ce que j'ai fait, j'ai chaque fois utilisé, mais ce que j'avais donc, ça m'a aidé par après. Tous nous devons savoir ou nous souvenir que lorsque Hitler et Mussolini parlaient en public, ils étaient crus, applaudis et admirés. Les idées qu'ils proclamaient étaient en général aberrantes, stupides, cruelles, et pourtant ils furent acclamés et suivis jusqu'à leur mort par des milliers de fidèles. Ces fidèles n'étaient pas des bourreaux nés, mais des hommes quelconques, ordinaires, prêts à croire et à obéir sans discuter.
Il faut donc nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voies que celles de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous devons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recommencer. Primo Levi.